Je m'appelle Alexandre Prochekovski et je suis doctorant à l'UMRHU. J'étudie les effets biotiques et abiotiques des cultures intermédiaires multiservices sur la qualité d'implantation et la productivité du maïs popcorn. Le maïs popcorn est une culture récemment implantée en France, notamment par l'action de Nathalie. Les agriculteurs souhaitent introduire des couverts dans leur rotation pour amorcer la transition agroécologique. De plus, il existe peu de références scientifiques dans la littérature puisque le maïs popcorn a été très peu étudié. Même s'il partage des principaux traits avec le maïs grain, le maïs popcorn est plus sensible à l'averse et aux maladies, donne un rendement plus faible et est soumis à des normes plus strictes pour la consommation humaine directe. Un couvert intermédiaire se compose d'une ou plusieurs espèces de cultures non commerciales en pur bon mélange, implantées pendant une période d'interculture plus ou moins longue entre deux cultures commerciales. Les couverts intermédiaires sont implantés pour rendre de multiples services et afin d'éviter que le sol soit sans couverture végétale. La couverture du sol permet de limiter l'érosion, la production de protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre puissant et la fuite des nitrates. De plus, elle permet d'améliorer l'infiltration et la rétention d'eau, de stocker du carbone dans le sol et de fournir des nutriments dont l'azote, le phosphore, le potassium et le soufre à la culture suivante. De plus, les crucifères permettraient de diminuer la pression biotique de certains ravageurs ou pathogènes telluriques. Les couverts modifieraient les propriétés du lit de semence ainsi que la pression biotique. Ces effets influenceraient la germination des graines et la levée des plantules et donc la qualité d'implantation finale de la culture. La qualité d'implantation affecterait directement la productivité de la culture. Une méta-analyse a montré une contribution neutre à positive découverte sur les rendements du maïs grain. Dans le cas du maïs popcorn, la qualité des grains serait affectée, ce qui est déterminant. En 2020, nous avons implanté plusieurs espèces et variétés de couverts, légumineuses et crucifères, en pur et en mélange, pour évaluer leur performance en cycle long sur la culture suivante de maïs popcorn. Nous étudierons des services écosystémiques, mais aussi des disservices pour ainsi accueillir des références. La lutte contre l'érosion et l'amélioration de la fertilité des sols est un enjeu central dans un contexte de changement climatique. Les cultures intermédiaires multiservices semblent être une pratique culturelle agroécologique prometteuse pour la problématique du maïs popcorn.